Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir mademoiselle. Bonsoir mademoiselle. Mademoiselle, bonsoir à vous qui êtes tranquillement installé à la maison. Et bonsoir à vous là aux jeunes gens. Bonjour et bonsoir, bienvenue. Bien, ravi donc de vous recevoir. Nous sommes ensemble pendant une petite heure et nous allons maintenant immédiatement recevoir à nouveau celle qui va venir avec nous. En fin d'émission, vous aurez droit à un mot interdit. Enfin, en tout cas, la personne que nous appellerons pour le filet garni. Nous allons recevoir immédiatement Marie-France Pizier, mesdames, messieurs. Un accueil très chaleureux. Marie-France Pizier, mesdames, messieurs, un accueil extrêmement chaleureux. C'est parti, la voici, la balle. Bonsoir Marie-France, comment allez-vous? Bien Christophe, oh, bien. Parce que je vous vois. Bien sûr, mais moi aussi, ça fait quelques... Chut, merci beaucoup, ça fait quelques mois que nous nous sommes vus, vous étiez venu nous parler, je vais y arriver, de votre dernière actualité. Nous allons parler de celle du jour, en tout cas de la semaine, d'ici quelques instants, mais nous allons, si vous voulez bien Marie-France, immédiatement retrouver nos deux jeunes petits camarades qui sont ici, des petits poulets, vous voyez. Ce sont les petits poulets de l'année, voici Pierre Belmar et Patrice Carmouze, mesdames, messieurs, c'est parti. Bonsoir Patrice. Bonsoir, ça va? Ça va, t'es? Ça va. Bonne nuit, bonne journée. Enfin, c'est marrant, je veux dire. Bonne nuit, oui. Oui. Journée, on a travaillé. Pas mal. Marie-France, permettez-moi de vous présenter. Vous avez une petite fourrette ici pour mettre votre micro. Permettez-moi de vous présenter Pierre Belmar, dit Pierrot. Et Pierrot. Dit Jackie les Belles Bacchantes pour les oui, amis. Oui. Chaque semaine, Pierre Pierrot Belmar. Pierrot les Bretelles également. Pierrot les Bretelles. Oui, Pierrot les Belles Histoires. Oui, Pierrot les Belles Histoires aussi. Montrez-nous si vos bretelles. Vous en avez bretelles, toujours, oui, toujours, oui. Très joli, mal, hein. Très joli. Pas mal. Ouais. Oui, oui. C'est vrai, bien. Vous voulez que je vous raconte une histoire ou quoi? La cravate est pas mal non plus. Oui. Bien sûr, une histoire. Ça, c'est Milou, ça, la cravate. Pierre c'est Milou qui se bat avec un lion. La cravate. C'est Milou qui se bat avec un lion. C'est bien que vous le disiez, Marc. Oui, mais c'est très discret. Mais... Oui. Ah oui. Oui, c'est discret. Ah non, mais... Marie-France, les amateurs de Tintin, c'est comme ça. Pierre Belmar vient chaque semaine raconter des histoires tout à fait étonnantes, alors que souvent on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas oui. vrai, c'est pas possible. Mais si, c'est vrai, oui, et c'est possible. C'est vrai, c'est même totalement impensable. Mais ça, c'est une histoire d'Hambourg. Vous voyez? D'Hambourg, battant. Non, d'Hambourg, la ville d'Hambourg. Hambourg? Et non, c'est Hambourg, il y a. Ich prüne, wie schnick. Et il y a trois marins de la marine nationale allemande, qui Hans, Günther et Herbert. Trois tous allemands. Les trois. Oui, ils sont embordés, vous savez ce que c'est. Ils sont en perte. Embordés par la foule. Voilà. Et embordés par la foule. Qui... Oui, ah, merci Pierre, oui, merci. Non, mais je peux vous chanter aussi, ils n'ont pas de raison. Et ils vont dans un bar, comme tous les marins du monde. Bon, d'accord. Et ils commencent un par... Un bar à quoi? Un bar. Un bar à boire. Un bar à boire. Et ils boivent d'ailleurs des bières, forcément, et des formidables, vous savez, des géants, des formidables. C'est des verres grands comme ça. Des barons? Oui. Des barons. Des, oui, ou des barons, si vous voulez. Bon, alors, enfin, 4 demi en un. Voilà, c'est ça. Alors, youm, ça descend assez vite. Et il y a trois belles filles qui sont là également. Alors, forcément, ah, trois marins. C'est donc un bar à boire et à filles. Absolument, voilà. Bon. Ces dames sont là pour entraîner un peu, vous savez, les choses, pour aider à boire. Bon, alors ça continue, elles boivent aussi et tout le monde boit. Et puis à un moment donné, on a faim. Alors, on va manger des saucisses, ces célèbres saucisses fumées allemandes, si bonnes et si délicieuses. Ah, yeah. Alors, on va manger donc plein de saucisses. Et on est avec très les filles. Avec les filles, bien sûr, qui mangent aussi, il n'y a pas de raison. Et puis ensuite, le champagne pour faire passer tout ça. On va donc prendre un petit peu de champagne, une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, quatre bouteilles. Puis après, il y a le schnapps. Et yeah, le schnapps, c'est badaboum. On a l'impression que vous l'avez vécu, ce truc-là. Le patron, oui. Il y a les gâteaux également, bien succulents, bien sucrés, bien dégoulinants. Enfin bon, il y a tout ça, quoi. C'est l'ambiance, à 2h, 3h du matin. Formide. Le bar, pendant ce temps, s'est vidé. Ils sont plus que trois, et les trois filles, et le patron qui regarde tout ça d'ailleurs jovial. Et puis à un moment donné, bon, ben, il apporte la petite note, c'est assez logique. Il apporte la petite note, parce que quand même, il faut bien un jour payer, quand même, bon. Et il y a Günther qui se saisit de la petite note. Et là, Herbert fait, non, Günther, c'était hier ton anniversaire, t'as déjà payé. Aujourd'hui, c'est moi. Non, fait Herbert, c'est moi. Et ils se battent chacun pour payer. Et le patron est ravi, parce que franchement, devant trois types comme ça, si sympathiques, qui se battent tous les trois pour payer, c'est formidable. Bon, et là, les filles doivent être contentes, les filles sont contentes aussi. Et puis bon, et surtout, c'est le gars qui se dispute pas avec et puis surtout, ils leur disent, est-ce que vous pourriez nous accueillir chez vous? Nous avons besoin d'un toit pour dormir. D'un quoi? D'un toit pour dormir. Ah. Et les filles sont assez accueillantes. Bon, elles sont d'accord pour les recevoir chez elles. Ce sont des Allemandes, faut se méfier. J'ai besoin d'un toit. Oui. Demandez-le gentiment. Oui, surtout qu'elles vivent toutes les trois ensemble. C'est très, très sympathique. Excusez-moi, Marie-France. Donc, on en est là. Quand brusquement, Günther a une idée, il fait, écoutez, c'est très simple. Nous allons partager, nous allons voir comment ça marche. Nous allons sortir dans la rue. On vous entend, Pierre. Nous allons nous mettre en position et nous allons courir jusqu'à la Wilhelmsplatz qui est là. Là, vous connaissez la Wilhelmsplatz? Oui, la Wilhelmsplatz. Bon. Alors, on court jusqu'à la Wilhelmsplatz et le premier qui arrive à la Wilhelmsplatz, c'est lui qui paye la tournée. C'est pas téléphoné du tout, comme non. Je voilà. comprends. Pas du tout. On voit pas la chute du tout. C'est là. Pas du tout. Pas du tout. Ils l'ont pas vu. C'est ça. Je vous jure que ça s'est passé l'année dernière.
L'année dernière. Ça s'est passé l'année dernière. Le patron était largement aussi torchonné que les clients. Le patron s'est mis sur le pas de sa porte, il a pris la cloche du bar pour faire le signal du départ, il leur a dit « À vos marques, prêts, ding-a-ding !» Et hop, ils sont partis tous les trois, bien sûr, une heure après, ils les attendaient toujours, ils les attendent encore, bien sûr, on ne les a jamais revus. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Magnifique. C'est une histoire allemande d'Hambourg. Magnifique. Le patron était un peu couillon. Oui. C'était un vrai couillon, un gros couillon. Bien. Comment il s'appelait? Comment s'appelait-il? Le bar s'appelle Chez Hummel. Chez Hummel. Donc c'est probablement Hummel qui s'est fait couillonner. C'est Hummel qui s'est fait couillonner. Que pensez-vous? Avez-vous, tirons-nous une espèce de moralité de cette histoire, Marie-France? Il faut partir à point, je ne sais pas. Ils sont partis à point. Ils ont essayé de revenir pour voir si ça marche encore. Ils étaient très sympathiques. Il faut toujours la très très sympathique. C'est-à-dire que le prochain gars qui vraiment sera très chiquement avec un type chez Hummel et qui dira ah non, c'est moi. Non, c'est moi, ils se prennent chacun une tarte, ils appellent la police. C'est ça le truc. C'est sûr, ah bah oui, évidemment, faut pas faire ça derrière. Moi, tu es beau, toi. T'es beau, toi, ce soir. Bah, je sais bien, oui. Je suis très séduisant. Ok. Pierre Bellemare, très sexe. Patrice et Marie-France Pizier, mesdames, messieurs. A tout de suite, merci beaucoup. Top. Mesdames, messieurs, nous voici de retour dans le 102 de la Maison de la Radio. Ben oui, c'est. C'est pas une erreur. C'est pas un problème. Ah ben ça, ce sont les aléas du direct. Hein. Oui. Alors, c'est qu'il reste encore quelques heures. Quelques heures. Quelques heures, juste. Marie-France, écoutez bien. Quelques jours. Et quelques jours. Et quelques jours, même. Pour gagner une semaine. Jours, il y a quelques heures. Oui, à Sainte-Maxime. Voilà. C'est ça, allez-y. Sainte-Maxime. C'est Jean-Noël dans un hôtel 4 étoiles, le Golf Plaza de la chaîne HMC, c'est ça, Baptiste? C'est ça, à proximité d'un golf international de 18 trous. 18 trous, oui. Et durant votre séjour, vous disposerez évidemment d'un tout team total, d'une voiture de location pour visiter la Provence, plus la ligne complète Olympe de la bagagerie Lancelle que vous allez voir tout de suite. Ça, c'est le petit concours du jour, Marie-France. Couleur bleue, Jean. Jean, merci. Comprenant entre autres une valise, un sac polochon, un vanity, un porte-habits et tout ça. 36, 68, 50, 50 pour gagner ce petit séjour à Sainte-Maxime et le reste que je viens de vous raconter là non plus. Patrice, François Hugues nous a rejoint. François Hugues, vétérinaire de son état, Marie-France Pizier. Marie-France, aimez-vous les animaux? Les animaux. Les animaux, surtout. Les animaux. Oui, ça dépend des cas. Vous en avez, les animaux? Un petit éléphant à la maison. Vous avez un petit éléphant à la maison? C'est sympa. Peluche énorme. Bien sûr. Donc vous n'avez pas d'animaux? Non, aucun animal. Alors François vient parce que vient d'ouvrir un nouveau parc ornithologique, on peut dire ça, enfin consacré aux oiseaux, dans la région, dans les Yvelines en fait. Mm-hmm. Hein? Enfin, ça s'appelle un espace. Un espace. Ouais. L'espace Rambouillet, qui est en fait un lieu. Une voiture donc. Une voiture, ils ont mis plein d'oiseaux dans une voiture. Et ils sont dans un salon en fait. On tourne autour des vitres et on regarde. Non, c'est un espace nature de 250 hectares dans lequel les gens se promènent en forêt. Dans la forêt de Rambouillet, dans laquelle il découvre le monde des animaux sauvages de la forêt. Et puis on a développé toute une pédagogie et tout un travail sur les rapaces. Et je vous ai amené un rapace. C'est fait avec l'ONF, il faut le dire. C'est fait avec l'Office national des forêts. C'est un rapace, c'est le seul rapace qui a une chemise rose avec des petits losanges. Ouais. Elle s'est transformée depuis tout à l'heure. Ah mais non, je ne voyais pas que derrière vous, il y avait cette magnifique chouette. Voilà. Excusez-moi, monsieur, je croyais que c'était. J'avais pas vu, moi, de suite derrière. C'est une chouette harfang. Alors, la particularité de cette chouette, c'est qu'elle est toute blanche. C'est qu'elle est belle. Parce qu'elle vit dans le Grand Nord. Oh là là. Et qu'en fait, il y a ce phénomène de mimétisme qui fait qu'elle est blanche pour se confondre dans le milieu naturel. Elle est vraiment belle. Et elle, comment? Pour se confondre avec la neige. Et avec la neige. Alors, le mâle est complètement blanc. Elle est un peu plus tachetée parce que c'est la femelle. Et sa particularité... On ne peut pas la poser là. Elle va glisser. Et en fait, il faut la garder au point. C'est extrêmement sauvage. En c'est excessif. Parce qu'en fait, on amène des fois des animaux. Mais celui-là est très, très rare. Il est très craintif. Et on l'amène ici. Je veux dire qu'on l'a habitué progressivement à la prendre Monsieur, au point. Essayez de vous tourner un tout petit peu pour qu'on puisse l'avoir de face tellement... voilà. C'est vrai, vraiment très, très belle. Alors, là, on la voit de profil. Là, je te dis, ce qui est marrant, c'est la façon dont elle tourne sa tête vers les. Moi, j'aimerais beaucoup avoir. Alors, elle tourne de 280 degrés. Hein, ça, complètement. À combien? 280 degrés. Hein, parce qu'en fait, les yeux sont fixes. Oui. Nous, on tourne nos yeux. Eux ne peuvent pas tourner les yeux. Et en fait, c'est la tête qui tourne. Ah, les yeux sont fixes. Les yeux sont fixes. C'est la tête qui peut tourner. Regarde. Mais elle arrive en tournant à gauche à voir ce qui se passe à droite. Elle peut observer complètement. C'est un phénomène de défense naturelle. Bah, elle tourne tellement la tête à gauche qu'elle finit par regarder à droite. Oui, complètement. 280 degrés, ça veut dire 280. Non. 180, non. Elle 280 fait... par rapport à 360. Exactement. Voilà. 280 degrés par rapport à 360. Il ne manque que 80 degrés. C'est-à-dire que quand elle regarde en face d'elle, elle voit derrière. Voilà. Oui. Elle arrive à voir derrière. C'est pour ça qu'on ne la surprend jamais. Enfin, je veux dire, les prédateurs ne la surprennent jamais. Elle se fait manger. Elle n'a pas de prédateur. Non, elle est en compétition avec le renard polaire qui vit dans le même milieu. Et au niveau de la nourriture, puisqu'en fait, c'est un animal qui se nourrit de lemmings.
C'est des petits rongeurs qui font des migrations. Et quand cet animal manque de lemmings au point de vue nourriture, il est capable de migrer. Et on a vu cette chouette en Bretagne. Elle regarde la télé, je te jure. Elle est descendue jusqu'en Bretagne, mais c'est excessivement rare. Je vous jure, elle se regardait dans la télé là-haut. Tout ce qui est traumatisme extérieur. Elle se regarde. Alors. Dans deux secondes, elle va se regarder, vous allez voir. Elle se voit, je vous jure qu'elle se voit là. Regarde. Ouais. Hop, elle se voit derrière. Eh oui, il y en a plein, ma cocotte. Il y en a plein. Fais gaffe. Tu vas être attaqué par une chouette blanche. Ce qui est extraordinaire, c'est les yeux jaunes. Et là, elle regarde son camarade. Les yeux en or. Vous savez que c'est un oiseau qui vit le jour. Hein. C'est un nocturne, mais qui vit le jour. Et qu'un rapace nocturne voit aussi bien le jour que la nuit. Et si vous mettez un nocturne dans une obscurité complète, il ne voit pas. Il ne faut pas penser qu'il s'oriente comme des chauves-souris avec des ultrasons. Si c'est obscur complètement, il ne voit rien. Et dans la journée, il voit mieux que nous. Elle chasse dans la nature le jour. Elle chasse le jour. Bien sûr. Et la nuit, elle dort. Et au crépuscule. Et la nuit, elle dort. C'est une particularité. Parce qu'elle fait, elle fait partie de la classe des nocturnes. Mais c'est une exception dans les nocturnes, c'est qu'elle chasse le jour. Il y a trois exceptions dans les nocturnes, il y a cette particularité. Alors les yeux sont adaptés. Ça a une grande force dans ses serres. Énorme, puisqu'en fait elle tue avec ses serres et en même temps un coup de bec et elle casse le cou du petit rongeur. Mais ça s'attaque pas à des gros trucs, hein. Non. Sanglier, éléphant, cerf. Surtout là-bas, des éléphants, on a du mal à en trouver, mais on ne sait jamais. Il y en avait autrefois. L'éléphant blanc. Mais alors, oui, et puis le mammouth. Ça vole très, comment, très bien. Comment ça, mammouth? Les mammouths. Mais non, les mâles. Les mammouths. Pas mammouth à moi. Non, bien sûr. Ça vole très, très bien, mais ici, en studio, on ne peut pas la faire voler. C'est tellement craintif comme animal. Par contre. Bouton que je viens de faire de Clermont. J'espère que ce n'est pas un bouton de braguette, Patrice. Non, mais ça, les chouettes, ils font un effet, c'est fou. Par contre, à la forêt des aigles, à l'espace Rambouillet, vous pouvez la voir voler. Donc, elle est capable de voler, prendre le ciel. Enfin, elle est seule. Non, on a un couple. Ça se reproduit facilement. Ça se reproduit, on le reproduit en. Est-ce que ça veut dire qu'un jour on pourrait avoir ce genre d'animaux sublimes dans la nature véritablement, dans la nature sauvage? Parce qu'on a des petits hiboux, des petits ducs, des moyens. Pas chez nous. Ah ben non, parce que ça vit dans le Grand Nord. Mais c'est pour ça que je vous demande, est-ce que ce serait possible un jour, je répète, non, d'avoir... Dans les Hautes-Alpes, peut-être? Pas en France, parce que le climat est trop doux. Mais comment vous faites à Rambouillet? Ils n'auront pas la nourriture. Mais nous, on les nourrit. Oui, mais eux, dans la nature, n'auront pas la nourriture voulue, adaptée. Avec nous, on leur apporte la nourriture. Donc en fait, ça n'a plus rien à voir. Elle est très étonnante quand même. Hein. Oui. C'est une tranche de monsieur. Oui. Elle est attachante. C'est très attachant. Ça entend très bien, non ? Très, très bien. Comment ? Ça entend très bien. Et ils sont capables de chasser la nuit sans voir. Alors, simplement, vous avez deux trous derrière les... Juste derrière là, ils entendent très, très bien. Il y a une ouïe très développée. C'est quoi le cri ? C'est comme ça ? Pas tout à fait. Là, ça ressemble plus à la hulotte. Ça ressemble plutôt à la hulotte. Chez vous ! Ah, on l'entend. Vas-y, on l'a entendu. Dans le public, je pense. Mais non, c'est pas un public. Mais non, c'est pas un public. Mais non. Ça pèse quoi ? 3 kilos ? 2 kilos. C'est très important en envergure, ouais. Mais c'est un tout petit corps. Ça fait 2 kilos. C'est une envergure formidable. Dans les nocturnes, vous avez un gros volume, parce qu'en fait, c'est une manière d'impressionner l'ennemi. Il se gonfle, en fait, mais derrière, il y a peu. Le poids est quand même très léger, ça fait 2 kilos. Hein. C'est pas un aigle. Attention, hein. C'est la caméra verticale. Elle entend le bruit, le petit moteur. Et là, elle a toujours peur des attaques. Toujours. Hein. Elle se demande si c'est pas un autre oiseau. Exactement. Les rapaces ont besoin de dominer. Et quand ils sont dominés et qu'il y a un bruit au-dessus, alors à ce moment, ils sont sur le qui-vive et ils se sentent pas bien. Donc tout ça bruit au-dessus. Ah, bah oui, ça monte, hein, bien sûr. Mais ça chasse à l'affût. C'est-à-dire que c'est posté à un endroit. Et puis dès que le lemming passe, comme il est complètement confondu dans la neige, ils foncent dessus, ils peuvent faire des piquets de 200 mètres à peu près, et ils attrapent le lemming et le mangent. Et les mâles sont toujours tout blancs? Les mâles sont complètement blancs, et les jeunes sont un duvet blanc au début, puis après ils sont marrons, et ils deviennent clairs pratiquement à la maturité sexuelle, au bout de 2 ans. Bah dis donc, voilà. C'est un bel animal, en tout cas. C'est un oiseau européen quand même s'il est en Grand Nord, et c'est le symbole... Moi, je suis un homme du Nord. Moi, avec tous les deux, on est des hommes du Nord. On est blancs. On est devenus blancs à la maturité sexuelle. C'est ça. Complètement. C'est ça. C'est ça. Il y a six mois. C'est ça. Et ça, pour faire ses petits, ça fait son nid dans la neige, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que ça creuse. Ça ne fait pas véritablement un nid. Ça creuse, ça fait une sorte d'excavation. Et ils mettent avec un peu d'herbe. Enfin, et cachent les œufs pour les prédateurs. Et là-dessus, la femelle couve et défend ses œufs. Et ça couve 32 jours. Et le couple reste formé ?
Le mâle va chercher de la nourriture pendant ce temps-là, et le petit qui pèse 50 grammes à la naissance, au bout de, en 3 semaines, multiplie son poids par 20 à peu près, ce qui fait que le mâle doit amener beaucoup de nourriture. Ouais. La croissance est très rapide. Au bout de 5 semaines, il commence à voler, et à 8 semaines, ils partent. Et ça y est, c'est indépendance. Ça va très vite, les oiseaux. Magnifique. Il y a des oiseaux, donc on verra l'espace Rambouillet avec d'autres. Hein, voilà, dans la forêt. Et puis surtout, il y a des cervidés, des sangliers, il y a tout ce qu'on veut sur 250 hectares. Merci beaucoup, François. Merci. Applaudissements pour ce beau métier qu'il fait et pour ces beaux oiseaux qu'il soigne. Merci beaucoup. On va maintenant parler de l'actualité de Marie-France Pizier. Oui. Pourquoi maman est dans mon lit ? Oui, pourquoi maman pourquoi est dans maman mon lit, est dans mon lit oui. C'est, ça sort le 6 juillet, Marie-France. Oui, pourquoi maman est dans mon lit, oui. Ça n'est pas un drame sur l'inceste, je non, tiens à le clair, dire. C'est clair, oui, non. C'est une comédie. C'est une comédie. Familiale. De Patrick, d'été. De Patrick Malakian. De Patrick Malakian. Avec Gérard Klein, Isabelle avec Alexis. Gérard Klein, Lisa Martineau. Et le petit garçon dont j'oublie le nom, mais qui s'appelle quand même... Donc ça va vous revenir d'ici quelques secondes, certainement. Quelques secondes, qui est absolument admirable. Ouais. Et Patrick Malakian, figurez-vous que c'est le fils d'Henri Verneuil. C'est une espèce d'énorme colosse, comme ça, c'est le garçon. C'est le vrai nom, en fait. Et moi, j'ai tourné avec Henri Verneuil il y a assez longtemps, et ça m'a fait tout bizarre de tourner avec son fils. Mais enfin, néanmoins, il a fait une comédie. Et alors, c'est dans le corps de mon ennemi, c'est ça? Comment ? C'est dans le corps de mon ennemi. Le corps de mon ennemi, absolument, qui était un bouquin de Sébastien Japrizo. Et alors là, c'est Jean-Paul Belmondo. Avec Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Et Bertrand et Bernard Blier. Bernard Blier, tout à fait. En industriel, hein ? Oui, absolument. Ouais. Donc là, il y a c'est Gérard Klein. On connaît Klein, le classique. Vous remarquerez qu'on connaît le classique. C'est super fort, oui. Ouais. Donc là, il y a Gérard Klein. Sur une musique de... Gérard Klein, là, joue à nouveau le rôle d'un prof. Alors, il n'arrête pas, il n'en sort pas entre l'instit et le prof. Bon, alors c'est l'histoire d'une... En deux mots, hein, je vous le fais très rapide. C'est l'histoire d'une famille française. Bon, papa, maman, papa travaille, maman travaille pas. Il y a une grande fille de 18 ans qui est une épouvantable emmerdeuse parce qu'elle est obsédée par Freud, et un petit garçon de 10 ans qui veut que ce foyer, ce couple marche très bien. Mais il fait une grosse bêtise, il vole un blouson. Il ne faut pas faire ça, c'est très mal. Donc la maman se oui, fait beaucoup... Oui, c'est pas bien, ne volez pas les blousons, ça n'est pas bien. La maman se fait beaucoup de soucis, elle se dit que s'il a volé un blouson, c'est parce qu'on n'a pas de quoi le lui payer. Et alors qu'elle était une femme formidable au foyer, qui s'occupait de toute cette maison, elle se dit tout d'un coup, il faut que je travaille pour mettre du beurre dans les épinards et des blousons sur le dos de mon fils. Elle se met à travailler dans cette famille où tout allait bien, ça devient une catastrophe absolue. Oui, si bien qu'elle se met même à bien gagner sa vie. Elle se met même à gagner sa vie. Tout ce qu'elle fait, c'est effroyable, alors qu'elle n'a... Bon, tout ce qu'elle fait marche très très bien, et ce couple se défait petit à petit. Ce petit garçon, pour rassembler ses parents, va être obligé de faire de plus en plus de bêtises pour qu'il soit obligé de s'aider à remettre cet enfant dans le droit chemin. Alors, si vous voulez, voilà, c'est une suite de catastrophes qui passe sous l'œil, à cause d'un petit garçon qui, au début, fait une petite bêtise, puis qui en fait de plus en plus. Mais ça, voilà. Ça veut dire quoi ? Il ne faut pas que les femmes Non, ça ne veut pas dire ça. Faut-il tirer une moralité ? Ça veut dire qu'en tout cas, brusquement, du jour au lendemain, une femme qui travaille et qui abandonne ce foyer, ou quand même, elles font tout quand elles s'occupent du foyer, ça peut créer des problèmes. Donc, mesdames, il faut s'organiser. Ça peut surtout créer un vide. Oui, ça peut créer un vide épouvantable. Ah oui, ça, c'est sûr. Voilà. Parce que je posais cette question parce que quand on connaît votre parcours et tout ça, je suppose que vous avez toujours défendu le travail des femmes, c'est pour ça. C'est en tout cas la première fois que je tourne un rôle qui ne soit pas une avocate, une diplomate, une machin, etc. Et quand on m'a proposé le rôle d'une femme qui ne faisait rien, c'est-à-dire tout, car j'ai découvert que de 8h du matin jusqu'à 8h du soir, quand on a un rôle où on n'a pas de métier, c'est terrible, les légumes, les machins, les trucs. Enfin, bref, c'est mon premier rôle où je jouais une femme au foyer et je trouvais que c'était palpitant. Voilà. Mais simplement, le virage dans le film, c'est que quoi qu'elle fasse, cette malheureuse, ça marche de plus en plus et qu'elle grimpe de plus en plus les échelons. Oui, mais alors en fait, c'est terrible parce que vous dites que quoi qu'il arrive, c'est difficile. Si elle ne travaille pas, c'est difficile parce que la vie est difficile. Et si elle se met à travailler, ça devient encore plus difficile parce qu'elle manque à la maison. Mais mon pauvre ami, je sais bien, c'est pas fastoche. C'est pas fastoche tous les jours, c'est sûr. C'est sûr. Vous avez utilisé comme ça des souvenirs de mère pour jouer dans le film ou... Bah, des souvenirs de mère, ils sont assez... Enfin, d'abord, moi, je travaille depuis que je suis petite, donc le côté mère au foyer, je ne connaissais pas très, très bien. Mais depuis, j'ai des enfants de 10 et 8 ans, donc je sais aussi qu'on peut faire les 3 et 8, ça, je connais. Oui, donc vous êtes un peu entraînée, quand même. je suis un peu entraînée. Oui, tout à fait. On va prendre quelques questions magnéto. Regardez bien, Marie-France, et vous allez choisir un numéro entre 1 et 6. Allons-y. Marie-France, 1 et 3. On ne souffle pas, les gars, attention. C'est hyper important. 1. Ouais, gagné. J'aimerais savoir quel nom vous ne donneriez pas à votre enfant et pourquoi. Quel nom vous ne donneriez pas à votre enfant ? Le prénom, quoi. Oui.
Non, parce que c'est pas le nom de père, oui. Ah bah oui, non, évidemment. Non. Prénom. C'est pas non, mais on peut dire Zéro, non, mais si. Ça n'existe pas. Comment dire ? Il n'y a pas d'enfant qui s'appelle Zéro, mais je ne l'appellerai pas Zéro, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dur. Dans Starmania, il y a un personnage qui s'appelle Zéro, je crois. On va prendre une autre question, allons-y, s'il vous plaît. Bonsoir. Pas du tout, regardez, 4 à 6. 4. Vous marchez dans la rue, un inconnu vous offre des fleurs, que faites-vous ? Oh, je les prends, je dis merci beaucoup. Oh, dites donc, attention, parce que si lui, il se dit dans sa tête, oh, si elle les prend, c'est que c'est... Maintenant, je me dis ou bien il s'est trompé, c'est tant mieux pour moi, ou je me dis c'était vraiment pour moi, je suis ravie. D'accord. Très bien. C'est une fille de diplomate et il y a un micro caché dedans. Voilà, ouais, c'est ça. Tu rentres dans une... C'est quelqu'un qui vous déteste et il y a une bombe. Ou une crotte de chien. Oui, enfin, bref. Oui, plutôt. On va prendre une autre... Oui, plutôt, justement. Crotte de chien. Une autre, regardez. 7, 8, 9. 8. 8. Bien, ouais-je. De quel animal votre caractère vous semble-t-il le plus proche ? On sent qu'il y a un petit chien derrière la dame, hein. Chien ou chat ? Sérieusement. Le plus proche, je ne sais pas, mais ce que j'aimerais être, si je pouvais être un animal après ma mort, serait plutôt un oiseau. Chouette. Bah, par exemple, celle-là qui était sublime. Qui était magnifique. Oui, oui. Bien, on enchaîne, mesdames, messieurs, immédiatement avec Franck qui vient de nous rejoindre et que nous applaudissons. Bonsoir. Évidemment. Bonjour. Pour quelques encouragements avant, j'imagine, la lecture du courrier de notre ami Jean-Paul, qu'on appellera que Jean-Paul. D'accord. Et si vous aussi, vous êtes comme Jean-Paul et que vous voulez écrire du courrier, n'hésitez pas, Franck est là pour le recevoir et le lire. Jean-Paul, expliquons à Marie-France qui c'est en deux Jean-Paul, c'est un fan de coucou qui traverse le monde, c'est un globe-trotteur, et il nous écrit, le problème c'est qu'il écrit mal, et on s'est dit que ça serait bien de jouer avec ça, parce que ça serait bien de trouver la fin des phrases ou des mots quand manifestement il y a des ratures. Oui. Alors je vous lis la lettre. Cher coucou, je me trouve à Las Cucarachas, un adorable petit vie. L'âge. Russe. Vignoble. Dont le vin est superbe. Surtout réservé aux touristes. Je loge dans un petit hôtel situé tout près d'une grande faux ray. Attends, on va faire jouer Marie-France quelques secondes, pardon. Alors, donne une faux. Fausse. D'une grande fausse sceptique. Bien. Après m'être installé, j'ai eu envie de vie. Danger. Bremavie. De vie. De vider. J'ai eu envie, devinez quoi, d'aller me balader. C'est totalement idiot. Totalement j'ai rencontré un homme bizarre, mais très sain. Pathique. D'esprit. Il s'appelait Ro. Mano. Ro. Michel. Ro. G. Non. Ro. Ber. Rosset. Rosset. Il s'appelait Rosset, c'était un passionné de co. Cacola. De co. De copulation. De cornemuse. De cornemuse. De cornemuse. La nuit, il chantait à la lune, et le jour, au saut. Du lit. Au saut. Au soleil mio. Les millions. Au soleil mio. C'était un guide touri. C'était un guide pourri. Touristique. Ah oui. Touridé. Qui connaissait les meilleures aubes. J'ai à trouver. Auberges du coin. Ouais. Les meilleures auberges du coin. Grâce à lui, j'ai pu me taper les plus belles salopes. Les plus belles salades composées du pays. Oh, Pierre. Ça tombait bien, car j'avais envie de vie. Encore. Tu ailles. De vinaigrette. Mais quoi ? À côté du restaurant, il y avait une gare. Une garnison. Ah, joli, Pierre. Un partout. Pas mal. Et nous avons croisé des Miss. Litter. Non, des Médinettes. Nous avons croisé des Miss Rousseau, ce qui passait par là. À Las. À Las Cucarachas, tous les hommes sont tard. Tous les hommes sont tard. Arrivés. Mais. Sont armés. Oui. Sont armés. J'ai donc demandé à Rosset quel était le régime politique du pays. Il m'a répondu « dicta... » Dicta... Mais... Non, dicta... dictapeur, espèce de trouillard. Dictapeur. Ah, dictapeur, ça, oui. Pour me changer les idées, il m'a en... Oui, ah oh, bah oui. Non, donc, il m'a... Emmené. Non, il m'a entraîné. Lassé. Encouragé. Deux secondes, contrôle. Aidez-nous, attendez deux secondes, contrôle. D'accord. Il m'a donc encouragé à me branler. Ah oui, c'est branché. Sur une de ses copines. Sur une de ses copines. Voilà. Elle s'appelait Monique, mais tout le monde l'appelait... Deux et trois. Non. Mais tout le monde l'appelait... Monique. L'appelait au téléphone. Tout le monde l'appelait au téléphone. Elle s'appelait Monique, mais tout le monde l'appelait au téléphone. Elle était négligée et elle sentait du... Pied. Non, elle sentait du... Du nez. Non, et elle sentait du reste pas très bon. Ah oui. Elle avait une langue de... Bois. Une langue de... Vipère. Vipère. Et elle adorait tailler des...
Croupière. Bavette. Non, taillée des costards. Des costards à tout le monde. Elle était terrible, même moi, elle m'a fait chier. Chipoter. Chialer. Bon, je lui ai proposé de prendre un verre chez moi, espérant bien la... Niquer. Espérant bien la... Séduire. Non, la... La La déstabiliser. La désaltérer. La désaltérer. La désaltérer. Bon. J'ai attendu le moment propice pour l'assaut. Ah. Pour l'assaut. L'assaut. Pour l'assommer. Non, pour la... Pour l'assaut. Pour la solliciter. Pour la solliciter. Mais elle n'a pas voulu que je l'en... Ah, ça suffit maintenant, hein, les gars. Hein. Elle que je l'embrasse. Alors, on n'a fait que parler. On n'a fait que parler. On a parlé de moi, on a parlé d'elle, de ses yeux, de ses cheveux et de Sacha. Oh non, c'est pas Sacha. Possible. De sa chaleur humaine. Chaleur humaine. De Sacha. De Sacha. Guitry. De Sacha. Ou Distel. Ou Distel, oui. Bon, il faut que je vous laisse, cher coucou. Sachez bien que j'apprécie Christophe de. C'est con. Oui. Depuis pas mal de temps. Grosse bise à Patrice, car. Car on l'aime beaucoup. Car on l'aime bien. Ouais. Bise à Marie-France, Jean-Paul. Salut, merci beaucoup, Franck. Vous restez avec nous. Formidable, vous ferez nos amitiés à Jean-Paul. Un peu et Xavier Combe va venir s'installer là, j'imagine. Je vais vous montrer une petite chose en attendant. C'est ça. Bing. Ça fait un drôle de bruit, la bouteille. Et c'est une bouteille, vous voyez, on peut pas... Mais c'est une bouteille qui est vieillie dans l'eau de mer. Ouais. C'est ce qu'on appelle les vins de la mer. Et il paraît que c'est bien meilleur quand ça vieillit dans l'eau de mer. Je sais pas. Donc, c'est bien mieux qu'une cave. Vous les mettez sous la mer. Comme les veaux. Comme les veaux sous la mer, oui. J'étais en pleine forme, les deux, là. Et vous les mettez sous la mer et ça vieillit très, très bien. Ouais. Ça vieillit pas plus vite, mais ça vieillit mieux. Vous aussi. Alors, Gavi, n'ayez pas peur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot qui a retenu mon attention dans la presse récemment. Oui. On a beaucoup parlé du débarquement. Et qui était à l'honneur pendant le débarquement? C'était les gens qui ont participé à la guerre, donc les Anglais, les Américains, les Alliés. Les soldats. Les anciens combattants. Non, les vétérans. Alors, anciens combattants ou vétérans, c'est justement de ça que je veux vous parler. Ah. En France, nous avons un secrétariat d'État pour les anciens combattants. Le secrétaire d'État, d'ailleurs, s'appelle Philippe Mestre, je crois. Mm-hmm. Peu importe, on parle normalement d'anciens combattants en France. Mais maintenant, étant donné qu'il s'agit beaucoup d'anciens combattants américains, la presse utilise un mot plus court qu'anciens combattants, qui est vétéran. Alors, est-ce qu'on utilise... Tout le temps en sport, on dit les vétérans. Oui, tout le temps. Ils ne sont pas anciens combattants, les sportifs, pas tous. Non, mais on dit toujours un vétéran. Les juniors, les seniors, les vétérans. Tout à fait, oui. Un sportif de plus de 35 ou 40 ans, c'est un vétéran, effectivement. Mais est-ce qu'un vétéran, c'est un ancien combattant? Est-ce que c'est accepté ou non? Alors, évidemment, si Jean d'Ormesson ou un autre académicien était là, on aurait... Peut-être une réponse catégorique. C'est dommage qu'ils ne soient pas là. Ouais. C'est que tous les académiciens sont des vétérans, généralement. Déjà. D'une façon générale. Et pour certains d'entre eux, anciens combattants, en plus. Oui, en plus. Moi, je pense que c'est un mot qu'il ne faut pas rejeter de prime abord. Ah non, ça, on ne va pas le rejeter, non. Ça, je vous assure. On n'a pas envie, hein. On s'en fout, en plus. Amis anciens combattants, ne soyez plus choqués. Vétérans, à mon avis, c'est tout à fait acceptable comme terme pour désigner les anciens combattants. Donc là, ce soir, vous voulez, quoi, il y avait une espèce de lettre ouverte aux anciens combattants. Sans dommage terminologique nécessaire, à mon avis. Ouais, et Pierre, vous écoutez quand même. Pierre est vétéran et ancien combattant. Non, non, du tout. Ancien combattant. Absolument pas. Dites donc, avec votre copain scout sur le toit. Pas d'ancien combattant. J'y peux rien. Quand vous aviez enlevé vos culottes. Bon. Ouais. Mais non, je ne suis pas du tout ancien combattant. Bon, un autre mot dont je voulais vous parler, qui est beaucoup plus ancien. Ah, voilà. On va le rejeter, celui-là. Et tout aussi combatif. Qui est le mot pataquès. Non. Ah, vous ne l'en veut pas. Non, ça alors non. Vous le rejetez. Qu'est-ce que vous pensez de ces problèmes de linguistique en français? Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment attacher de l'importance à... un mot comme ça, et pas ci, et pas ça. L'autre jour, j'ai entendu la dame de la météo qui a dit, j'espère que vous préparez bien votre congé de fin de semaine. Ça y est, on y est. Bravo. Oui. Sur le service public, ah, ça y était. Vous voulez parler de cette loi qui vient de entre autres. Oui. Remarquez, c'était quand même naturalisé comme mot. Mais bon, congé de fin de semaine, c'est un bon effort. Non, j'ai l'air de ne pas m'exprimer, mais je suis absolument contre. Mais enfin, cela dit, chacun... Contre le fait d'empêcher telle liberté de mot. Il y a eu une évolution. Justement, aujourd'hui ou hier, je ne me souviens plus très bien, enfin, il y a quelques jours du moins, la loi Tout Bon a été vraiment appliquée. All Good. Pour la publicité, les textes de mode d'emploi et tout ça, c'est obligatoire qu'ils soient en français. Bon, c'est évidemment... Ah, mais ça, c'est pour le pratique, ouais, ça c'est très bien, c'est pour le pratique. Il y a Pierre qui ne lit pas l'anglais, oui. Il est très embêté. C'est une loi qui vit, elle n'est pas qu'on n'a même intérêt. Plus le droit de dire Shakespeare, il paraît qu'il faut dire ce mot. Non, mais d'accord, mais c'est vrai que les modes d'emploi, c'est des textes en français. On n'a plus le droit de dire Shakespeare, on dit je meurs. Oui. On est en train de mourir. Ah, Shakespeare. C'est Hambourg, non? Donc pas ta caisse, alors.
c'est ce que vous avez dit. Non. À votre avis, qu'est-ce qu'un pataquès? Si on vous demande... Un pataquès, c'est le boxon. Boxon. Un drôle de truc. Ouais. Un bazar. Un gros bordel. C'est pas un malentendu, non. C'est pas ça, un pataquès. Non, c'est pas... Non, c'est pas forcément un malentendu. Faire un pataquès, c'est quand même... Chercher l'embrouille, un petit peu, quand même, c'est ça. Qu'est-ce que tu nous fais comme pataquès? Oui, qu'est-ce que tu fais comme pataquès? Je vais vous donner l'origine de ce mot, l'étymologie. En réalité, en linguistique, c'est une faute de liaison, un pataquès. Oui. Par exemple, un repas trop arrosé. Oui. Ah oui, trop arrosé. Trop arrosé. Ah, c'est une liaison malte à propos. Voilà, une liaison malte à propos, je l'ai beaucoup aimé. T'as pas ta caisse. Non, on va trouver, Pourquoi ça vient de là? C'est donc pas à caisse. C'est pas ta caisse, c'est pas ma voiture, c'est pas ta caisse. C'est pas ta caisse. Non, c'est ça. Ça vient de là. Non, pas du tout. C'est pas ta bagnole, c'est pas ta caisse. L'expression date de 1784. Ah, pas à caisse. Oui, le bateau, il est là? Non, je ne le vois pas à caisse. C'est pas ta caisse, hein. P-A-T-A-Q-U-S. C'est ça. C'est bien, il est... Non, je ne vois pas, je ne vois pas ta caisse. Une mauvaise liaison. Attendez, il y a une mauvaise liaison. En soi, c'est une mauvaise liaison, pas ta caisse. C'est une mauvaise liaison doublée d'une faute de grammaire, en plus. Oui. Ça va pas ou quoi? Pas la caisse? Par la caisse. Par la caisse, non. Par la caisse. Ce n'est pas ta... C'est ça, c'est espagnol. Para qui? Para qui? Para usted. Ah, ce n'est pas à moi, c'est à qui? À qui est-ce? Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à moi, je ne sais pas à qui est-ce. Ouais. C'est ça? Oh, c'est ça que ça vient, moi, ce n'est pas à moi, je ne sais pas. Donc c'est un terme de linguistique, de langage. Oui. Oui. Voilà. Ce n'est pas à qui est-ce. Ce n'est pas à moi, je ne sais pas à qui est-ce. Eh ben, c'est normal jusque-là. Donc le mot pataquès, en fait, dénote une mauvaise liaison. Donc vous nous faites des pataquès. Encore. Donc, je ne sais pas qui c'est. Celui-là, on l'accepte. Le mot en bas, c'est un beau mot. C'est un très beau mot. Oui. Il reste 20 secondes. 20 secondes, je vais vous lire un texte relatif à la TVA. Pour faciliter le recouvrement de la TVA, il y a des PME qui ont des difficultés de trésorerie et qui doivent recouvrer leur TVA. Et c'est très difficile pour elles. Donc, l'administration fiscale aura pondu un texte. Abscon comme un balai. Le principe... Vous avez filmé quelque chose avant de venir nous voir? Non, mais je vais vous lire ça, vous allez comprendre. Parce qu'au départ, vous êtes un gars sérieux, bien, sérieux. Propre sur lui, tout. On fait confiance au départ. Ouais. Lisez la page 2 du formulaire 3310 MB 10 ERT de la Direction générale des impôts et vous avez un coup de courroux. Je vous lis le principe. Afin de ne pas placer les redevables dans une situation de trésorerie moins favorable qu'avant la réforme, merci. La loi prévoit que les droits à déduction exercés au titre d'un mois après imputation de la déduction de référence ne peuvent pas être inférieurs à 100% des droits nés le mois précédent, dans la limite des droits à déduction sur BAIS déclarés le mois d'imputation de la déduction de référence. Je sais tout ça. Bah oui. Comment voulez-vous faire autrement? Mais oui, ça ne va pas comme ça. Comment vous voulez faire autrement? Vous êtes totalement en phrase quand même claire. Ça va pas combe. C'est rapide. Et c'est avec ça que les petites PME doivent recouvrer leur TVA. Eh oui. Ah oui. Après, alors, on s'étonne qu'il y ait de la patouille. Moi, ça me met un petit peu en colère quand même, parce que on a la loi tout bon, c'est très bien, mais on a quand même des nazes qui nous écrivent des trucs pareils. Du don. Des nazes. Oui. Des nazes. Alors, attends, oui. Pataquès, pananas, pas à moi. Ça vient d'où, naze? Je sais pas, mais. Ça, c'est un texte. N'en parlons pas. C'est un texte des mecs, avec un QI de 18,6% qui vous pondent des trucs comme ça. C'est monstrueux. Non, c'est vous vrai. Êtes, vous êtes très virulent. Je suis virulent. Même si les gars sont un peu couillons, soyons moins gentils. Ces mecs-là. Non. Les auteurs. C'est l'administration fiscale. Les auteurs. Mais ce sont des types charmants en plus. Charmants. Mais je ne comprends pas, moi. Ce sont des gens extrêmement sympathiques. Alors, c'est pas eux, ils se sont fait flouer par quelqu'un. Voilà, c'est quelqu'un comme vous qui a écrit un texte comme ça. C'est pour leur nuire. Pour leur nuire. À ces gens. Vous êtes des hypocrites. Moi, je dis franchement que ces mecs-là, ils mériteraient d'être dans une PME responsable de recouvrir la TVA. Ça, c'est autre chose. Xavier Combe, merci beaucoup. Bonne semaine. À bientôt. La publicité, mesdames, messieurs. Et on se retrouve tout de suite après avec Marie-France Pizier, Patrice, Pierre, Franck et le. Tout team. À tout de suite. Merci beaucoup. Top! Nous voici, mesdames, messieurs, de nouveau sur le 102 de la Maison de la Radio avec Pierre Belmar, Patrice et Marie-France Pizier qui nous fait l'amitié d'être ici. Patrice, où en sommes-nous exactement? Je pense qu'il s'agit du mot interdit. Du mot interdit, un jeu qu'on fait de temps en temps, qu'on aime bien. Et là, vous allez être mise à contribution très très fort, Marie-France Pizier. Arriver, parce que dis donc, pardonnez-moi, parce que la belle imposture est sortie en Porsche. En Porsche. En Porsche. Oui, décapotable. Entièrement décapotable. La belle imposture est sortie en livre de poche. Oui, alors moi je suis très contente parce que c'est mon dernier livre. Je savais pas que ça sortait en poche et quand ça arrive, ça fait toujours plaisir. C'est pas la Pléiade, mais c'est un petit, je sais pas, je trouve que c'est poche, vrai, c'est bien. C'est un plaisir pour un auteur d'avoir son bouquin qui sort en poche parce qu'on sait. Les gens se le mettent là, enfin sur la poche arrière du jean. Ouais. C'est une deuxième vie. C'est une deuxième vie pour un livre. Voilà, ah, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, c'est très. Voilà, c'est donc très ça agréable. Méritait d'être signalé. Nous allons donc jouer au mot interdit. Écoutez bien Patrice qui va vous expliquer en quelques secondes. Rien du tout d'ailleurs, parce qu'on va l'expliquer à la personne que nous avons en ligne. Oui, si vous voulez, on va appeler des pompiers.
Oui, d'accord, Patrice. Hein, oui, parce que les pompiers, ils voudraient bien jouer avec nous de temps en temps. Alors, on va jouer avec eux. Alors, je sais pas, le premier mot qu'on pourrait Michel, dire, c'est bouche à bouche. Le premier mot qui vous vient, c'est bouche à bouche, c'est bizarre. Bah, pompier. Bah oui. Échelle. À vous, c'est autre chose, pompier, évidemment. Moi, c'est échelle. Échelle quand même. Il faut pas qu'il le dise. D'accord. J'écoute. Pompier. Oui. Quelle caserne? Lille. C'est la caserne de Lille. Oui, de la caserne de Lille. Bonjour, c'est De Chavannes à l'appareil. Coucou, c'est nous. Il y a des camarades du Nord, visiblement, monsieur le pompier, qui sont ici. Si vous voulez, c'est pour jouer au mot interdit avec le fil des Garniers, avec Marie-France Pizier, évidemment, Pierre Belmar et Patrice et votre serviteur De Chavannes. Peut-être on peut changer de ligne si vous voulez garder cette ligne-là pour un feu ou... Ouais, parce que là, c'est une ligne de feu. Hein. C'est ce que je vous... Ah, c'est la ligne de feu. Ben, changez vite de téléphone. Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Ben, la ligne de calme pour qu'on puisse se parler et faire un mot interdit. Chut. Attendez, quittez pas. Voilà, quittez la ligne de feu. Il va dans une ligne de flotte, je sais pas maintenant. Il y a une dame qui brûle là maintenant, on l'entend qui crie. Échelle. Il faut pas qu'il le dise. Nous non plus. Oui. Non, on n'a pas le droit non plus. Vous êtes là? Crac. Il abandonne la ligne de feu. C'est les pompiers, cela dit. C'est des gars qui font un boulot top niveau. Allô? Oui, les pompiers. Ah, nous avons des amis pompiers dans la salle également. Est-ce que vous êtes le même monsieur que j'ai eu tout à l'heure il y a quelques secondes? Non, c'est un ami qui m'a dit parce qu'on a des postes différents si vous voulez. Hein. Ok, alors nous allons jouer avec vous au mot interdit? Ben, ouais, je veux bien, mais je connais pas trop la règle du jeu. Ben, on va vous l'expliquer immédiatement. Quel est votre prénom? Philippe. Philippe, ok, vous êtes pompier de carrière. Tant qu'à faire, ouais. Tant qu'à faire. Ah, vous êtes deux, il y en a un qui vous souffle. Alors, attention, on va vous expliquer la règle. Le mot interdit, on a choisi C'est Patrice Carmousse qui vous explique la règle, les gars. Hein. On a choisi un mot... Comment? Le grand Patrice. Voilà. On a choisi un mot avec Marie-France Pizier, qui est un mot de votre vocabulaire, on peut le dire. Hein, qui est un mot de votre profession. De profession, et il va falloir essayer de ne pas le prononcer, vous. Ouais, mais enfin, bon. Non, mais vous inquiétez pas, allez, ça va bien se passer. Allez, on y va. Quel est le premier truc que vous préparez avant de partir pour une attaque sur un feu? La première chose qu'on prépare, oui. Bah, nous-mêmes, je pense. Vous-même. Ensuite, vous descendez le long de la... De la barre. La barre, voilà, c'est la rampe, non? Oui, la barre, c'est la barre. La barre de pompier. Et vous mettez votre... C'est que... Chapeau. Bien joué. C'est le chapeau de pompier, le fameux chapeau de pompier. Marie-France. Oui. Alors, vous arrivez devant une maison en flammes et au deuxième étage, il y a quelqu'un à la fenêtre qui crie au secours. Quel moyen vous allez utiliser pour aller la sauver? Ou pour la sauver? Pour la sauver? Oui. Bah, notre âme et notre conscience. Oui, C'est très beau. C'est vrai. Mais ça ne suffit pas. L'âme et la conscience élèvent l'homme, c'est bien connu. C'est vrai. Donc il va monter tout naturellement dans la jeune femme. Est-ce que vous prenez l'ascenseur dans ce cas-là? Non, jamais en cas de feu, non. En cas de feu, non. Hein. Quel est votre moyen d'attaque, par exemple? Est-ce que vous avez un... Vous savez qu'il fait ta-na-na avec quatre roues. Est-ce que vous avez un... rouge. Quoi? Vous savez, vous montez dessus à plusieurs, puis vous allez sur les lieux de l'incendie. Ça fait ta-da-da. Rouge, ça fait ta-da-da. Non, ta-da-da. Un engin. Un engin. Oui. Attendez. Et de cet engin... Maintenant, expliquez-nous en quelques mots. Vous arrivez au pied de cet immeuble, oui. Il est en feu. Une jeune femme, comme le dit Marie-France, crie au deuxième étage. J'ai l'impression d'être Belmar. Et là, vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Je bondis. Oui. Non, mais sérieusement, faites-nous une phrase quand même. Bondis avec son âme et conscience, il est formidable. Oui. Faites-nous une phrase. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Vite! Ben je bondis, je vous dis. Comment dire plus vite que ça, quoi? Je bondis. Oh, mais oui, enfin, on n'a jamais vu un pompier. C'est pas fréquent. C'est super Mario. Bien sûr. Non, sérieusement, allez, vous descendez du camion, qu'est-ce que vous devez faire? Je descends du camion, je monte les escaliers, j'essaie de voir s'il y a trop de fumée, j'appelle les collègues, on a des masques, et puis voilà, quoi. Mais vous montez les escaliers. On fait ce qu'on peut, monsieur. Vous montez les escaliers intérieurs quand il y a le feu? Bien sûr. Et si on peut pas monter l'escalier, s'il est en flamme? Ben, on utilise un engin qui nous permet de monter, quoi. Alors, évidemment, il va falloir qu'il trouve le mot. Hein. Ouais. Ah oui. Et cet engin qui... Non, merci, je vous ai déjà dit, on n'est pas au foot, les gars. Ah. Et cet engin qui vous permet de monter, qu'est-ce que c'est-il, sérieusement? C'est quoi? Ben, C'est un haricot à la volonté des gens, quoi. C'est un haricot qui fait monter des gens, bien sûr. Un haricot de mouton. Donc c'est un marsupilami, le pompier. Là, il saute, il bondit, il a des haricots. C'est spécial. Oui, c'est la germination. Est-ce que vous avez trouvé le mot interdit, à votre avis? Quel était le mot interdit? Le mot interdit? Oui. Il y avait un mot interdit? Le piège est fini, là, ou pas? Oui, le piège est fini. Le piège est fini. Échelle. Échelle. Bravo.
Attends, on a essayé de l'enduire d'erreur. On a embrouillé. Ben c'est bien. Comment il s'appelle? Quel était votre prénom? C'est Philippe. Philippe. Philippe, vous avez gagné, dites donc. Hein. Ben écoutez... Non, c'est vous qui allez écouter, parce que vous avez gagné d'abord une boîte de préservatifs. Sympathique, ça me sert pas trop, parce que je viens d'avoir un bébé d'11 mois. Enfin, c'est sympa, ouais. Non, mais enfin, vous le donnerez à quelqu'un. Il vient d'avoir un bébé. Ah oui. Donc ça ne lui servira pas. En tout cas, si vous en voulez pas d'autres, par exemple, ça peut servir. Hein. Enfin bref, vous avez quand même gagné une boîte de préservatifs et puis vous offrez exactement ce que vous voulez. Oui. Nous vous offrons un kayak de mer Lapon de Soclema. Alors ça, il faut aller en Laponie hein, déjà. Oui. Donc ça, c'est le boulot. Voilà, le magnifique kayak des mers. Un kayak biplace, vous pouvez y aller à deux déjà. De 4,80 m, équipé de jupe, pagaie et gilet de sauvetage. Dis donc, complet. Hein. C'est très beau. Il vous permettra de pagayer aussi bien sur des rivières que sur mer. Vous avez déjà tenté cet exercice de kayak? Oui. Avec des renversements? Non. Et nous vous offrons en plus, écoutez bien, un séjour d'une semaine pour deux personnes à Bandol, à l'hôtel 3 étoiles La Réserve, situé les pieds dans l'eau. Vous profiterez du charme de la station balnéaire varoise et vous emmènerez, bien sûr... Et pour la plage? Votre kayak. Votre kayak. Et pour l'après-plage, vous recevrez un ensemble de bains décants composé de draps de bain, de peignoirs et de serviettes de bain. Dites donc. Voilà. Bravo, merci beaucoup et bonne soirée à vous. Bye bye. Néanmoins, n'oubliez pas votre échelle. N'oubliez pas votre échelle. Nous étions avec un pompier de Lille, Marie-France. Marie-France, la dernière fois que vous étiez venu, vous aviez regretté qu'il n'y ait pas de science dans cette émission. Vous rappelez-vous. Et nous, on s'est dit, bon, la prochaine fois que Marie-France vient, on fait évidemment venir le professeur Ivard. Il est là, mesdames, messieurs. Accueil. Bonsoir. Pierre, vous serez au bout. Avec Patrice. Venez Marie-France. Non, oh, pardon. Tenez. Hop, elle va flotter. On met des petites tenues toujours. La vôtre, c'est une très grande taille, Pierre, vous voyez. C'est une très grande taille. Si aujourd'hui, ça va encore un peu mouiller. Pardon. Ça va un petit peu gicler. Attention à votre micro, pardonnez-moi. Je fais. Qu'est-ce qui va un peu gicler? Attendez-nous. Je voulais en profiter pour dire deux mots à propos des petits débrouillards qui organisent des vacances scientifiques cet été au mois de juillet et au mois d'août. Donc si vous voulez des renseignements sur ces vacances. Rappelez-nous en quelques mots qui sont les petits débrouillards. Les petits débrouillards, c'est un club qui permet à des jeunes de 8 à 14 ans de faire des petites expériences. Un peu comme on les fait, et d'apprendre un petit peu la science par ce biais-là. Donc il y a des vacances en juillet et en août qui sont organisées, si vous voulez des renseignements, 3615 TF1, rubrique. Vous êtes coiffé avec un pétard aujourd'hui? Non, c'est le coiffeur qui va faire ça. Très bien. Alors, j'avais commencé quelque chose la semaine dernière pour essayer d'expliquer qu'un ballon, ça peut tenir au-dessus du... Au-dessus du feu. Au-dessus du feu. De l'eau dedans. Alors, là, on a... Donc, avec de l'eau? Alors, on va d'abord tester celui qui a un autre produit, puisqu'il s'agit de voir pendant les expériences qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Là, il y a de la farine, par exemple. Mettez les gants, Marie-France, on ne sait jamais, des fois, que ça vous... Non, mais je vais faire très bien. Il faudra mettre les gants après, de toute façon, parce que ça va gicler. Donc, là, il faut quelque chose qui absorbe la chaleur. Vous voyez? Parce que vous êtes faible, Marie-France. Il faut quelque chose qui absorbe la chaleur, puisque sinon, qu'est-ce qui se passe? Le ballon, s'il est au-dessus du feu, il éclate, s'il n'y a rien pour absorber la chaleur. Il pète. Alors, à l'intérieur, j'ai mis de la farine, on peut mettre n'importe quoi, du sable, du bois pour essayer l'expérience. Qui va aller passer son temps avec un ballon plein de produits au-dessus d'une flamme? Non, mais c'est pour comprendre l'absorption de la chaleur. Ah, voilà. Expliquez-vous, professeur. Alors, vous pouvez y aller, Marie-France. Expliquez-vous. Patrice, vous avez aussi des petits ballons à côté. Cela? Mais ça marche pas. Ah ben vous voyez. Alors là, il n'y a rien. Alors celui-là, il n'y a rien. Prenez celui qui a de la farine éventuellement. Mais ça, c'était quoi? C'était ça? Quoi? Ça, c'est de la farine. c'est de la farine, et donc on voit que la farine n'absorbe pas la chaleur. Par contre, derrière vous, vous avez. Éteint la flamme. Voilà. Vous en avez avec de l'eau. Marie-France. Oui. Alors là, vous allez poser. Je sais pas, vous avez plein de. On va voir Marie-France sur son expérience, les gars. Marie-France va poser son petit ballon. Attention à vos doigts, s'il vous plaît. Parce que là, vos doigts, il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau. Regardez. Et on peut même mettre nos deux flammes. Regardez. Et on voit bien que la flamme lèche le ballon. Elle lèche le ballon, ce qui est Et ça n'explose pas. Incroyable. Voilà. Car l'eau absorbe la chaleur. Et je brûle que je fais schnick tes feux. Et la meilleure chose. Je fais schnick tes feux. Comme quoi? Normalement, il absorbe la chaleur jusqu'à un certain point. Et professeur Ivard, Mais non, mais normalement, ça marche très très bien. Donc ça marche, ok, ça marche, voilà. Voilà, ça marche. Et par contre, si on le met évidemment ici sur le côté, ça marche plus puisqu'il n'y a pas d'eau sur le côté. Attention, hein. Voilà. Ah oui. Autre expérience. Regardez celui-là. Patrice ? Il est noirci. Patrice ? Autre expérience qui consiste extrêmement vite avant de passer à la fabrication de la guimauve. Comment comprendre la circulation, ça c'est la terre, avec l'air autour, et on va essayer de comprendre la circulation de l'air et des courants d'air et des nuages. Est-ce que, quand vous étiez étudiante ou écolière, est-ce que vous êtes passionnée pour ce genre d'exercice? Oui, tout à fait. Oignon. Joli, hein, pareil. Hein. Je vous ai sauvé, Marie-France. Là, vous avez une pipette.
Vous avez une pipette avec du colorant alimentaire, ça tâche furieusement, attention. Mais ouais, moi, je n'ai pas de pipette. Là, ici. Ah, là, et Marie-France, elle a tout son petit matos. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Asseyez-vous, Marie-France. Alors, c'est très, très simple. Attention, roulette. Hein. C'est très, très simple. Donc, on a dedans le colorant alimentaire. Et on fait tourner la terre comme ça, délicatement. Et on va voir autour. Alors, un petit nuage. Hop. Et autour, regardez. Les nuages, l'atmosphère, pour comprendre la circulation de l'air et des nuages autour du globe terrestre. Oh là là. Regardez, quand ça tourne... Vous, vous êtes passé de l'autre côté, vous, ça y est. Hein. Ça y est, hein. Ça y est, vous avez basculé. Vous avez essayé. Il y a eu un déclic, un truc. Qu'est-ce qui se passe de quand ça tourne, je comprends pas. Il est à deux. C'est la Terre qui tourne, et quand elle tourne, elle... Elle aspire autour d'elle, regardez. Vous êtes de plus en plus cintré, vous. Mais non, mais c'est la Terre, ça. Regardez, c'est merveilleux. C'est très beau. Hop. C'est beau. Pas trop. Pas voilà. Trop. Voilà. Pas trop. C'est... Faire tourner la tête. Comment fabriquer? Comment ça? La guimauve. Ah, c'est une guimauve. Ça, c'est de la guimauve. Vous avez, je présume, quand vous étiez enfant, tous les uns et les autres, même maintenant, manger un petit peu de guimauve. Doucement sur la guimauve. Alors, pour en fabriquer, c'est extrêmement simple, ça aussi. Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la racine de guimauve. Et ça se trouve où? Dans les... Au pied de la guimauve. Herboristeries. Hein? On l'a fait en décoction. On l'a fait cuire pendant une petite demi-heure, une heure, et on obtient une décoction comme celle-là. Vous avez chacun un bol, voyez, une assiette. Ben non. Si. Ben non. Là, voilà. Ah oui. Votre assiette, votre cuillère. Et oui. Vous avez un petit verre avec... Couché aquarium. Avec ça. Oui. Vous avez... Il reste une minute. Un gobelet, comme celui-là. Ça, on n'a plus besoin. C'est de la guimauve, hein. Oui, j'en ai. Ça, vous n'en avez plus besoin. Non, non. Regardez, alors, on le verse dedans. Voilà. Là-dedans. Ça, c'est le jus de guimauve. C'est le jus de guimauve. Allez-y, Marie-France. Et vous rajoutez. Une bonne petite guimauve. Vous avez chacun. De la fafa. Non. De la gomme arabique. Ah, oh, doucement. Ça, c'est de la gomme arabique. De arabique. Pour faire des bonbons, vous savez, en pharmacie. Mm-hmm. Donc, alors là, faut pas hésiter à en mettre dedans. Ça pue, ça aussi. Faites-le en même temps. Mais voilà, comment là-dedans? Oui, oui, non, vous avez la... Ah, mais la gomme arabique. La... Voilà, vous l'avez devant vous, Patrice. Hein? Alors, faut en mettre pas mal. Et pas hésiter. Vous avez besoin de tourner. À bien mélanger. Vous avez mis la guimauve aussi? Touille. Oui. Ah, excusez-moi. Ah, excusez-moi, professeur. Donc, et là, regardez, on obtient quasiment instantanément. Faut touiller? Oui, oui, il faut touiller très vite et mettre beaucoup de gomme arabique. Mais oh là 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 là. Beaucoup, parce que c'est ça qui absorbe. Oh là 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 là. Et là, vous obtenez. Voilà, enfin bon, là, c'est là. Allez-y. Oui, ça a l'air de marcher. Ça hupe un peu, non? Ça marche un peu, regardez. Vous avez pas mis de la guimauve avant? Non, j'ai mis du jus de guimauve. Ça fait éternuer, moi, je sais pas vous, mais moi. Et alors, si on met des colorants dedans. Oui. On obtient une guimauve comme celle-là qui est très bonne. Là, celle-là, est... celle-là est bonne. Oui, oui, elle est très bonne. Vous remuez, elle n'est pas très présentable. Non, mais elle est bonne. Non, mais avec la. Mais alors, après, Christophe, il faut surtout les tirer. Mais ouais, pas bonne. Mais si, elle est bonne. Oui, mais non. Mais si, mais là, elle n'est pas finie. Mais comment vous avez fait ça, vous? Mais ça, je l'ai préparé à l'avance, celle-là. Oh, bah d'accord. Mais il faut la finir. Mais vite, vite, on est en train de se quitter. On l'a. Oh voilà, aidez-moi. Mais oui, je vous aide. Voilà, il faut la tirer un peu. Ah, la vache. Et là, après, on peut la couper. Donc, on met un peu de farine dessus, enfin, de gomme arabique. J'en mets encore un petit peu. Et on en fait des tresses. Allez, vite, vite, vite. On en fait des tresses comme celle-là. Donc, de la racine de guimauve, de la gomme arabique. Mesdames, messieurs, on est en train de se quitter. Merci, professeur Eva. On vous réexpliquera comment faire de la guimauve. Pourquoi maman est dans son lit et dans mon lit. À partir du 6 juillet, Marie-France, merci beaucoup. Passez une bonne soirée, vous tous, tout le monde. Regardez Marie-France, c'est ici que ça se passe. Et nous disons merci beaucoup. Au revoir, merci, au revoir.